Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le swatch and make-up de cette palette. Donc, si vous avez vu mon haul que je vous remets en barre d'infos, j'ai fait un big craquage chez Jolie Beauty. Et encore, il me manque la moitié de mes produits puisqu'on me les a volés. Voilà. Allez voir le haul. Et on va commencer avec le swatch et le make-up de la Intergalactique. Et oh my god, j'ai tellement hâte de les utiliser toutes les trois. Mais alors, voilà. C'est divinement divin. C'est magnifiquement magnifique. Sublimement sublime. Oh, c'est trop beau. Alors, au départ, j'avais très envie de tester enfin, d'utiliser cette teinte-là. Mais j'ai fait beaucoup de bleu dernièrement, donc comme c'est un thème espace, alien et tout ça, on va partir plutôt dans du vert. Et je pense qu'on va partir dans le vert. Et bah, il y a un noir ici, donc je vais partir avec celui-là aussi. Et je me demande si j'essayerai pas avec celui-ci aussi. C'est pas des teintes qui s'accordent, on est d'accord, c'est un challenge. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Je ne sais pas trop ce qu'on va faire, mais on va y aller. Donc, je vous laisse tout de suite avec les swatchs. Je me rapproche et on attaque avec le make-up. Alors, j'ai envie de partir dans une forme un peu. Ah, mais il y en a un, il s'appelle Martian ici. Un peu ben, graphique, puisque c'est totalement dans le thème, vu que les yeux d'alien sont très comme ça. Donc, on va partir sur un comme ça. Donc, je prends un pinceau biseauté pour commencer et je vais commencer directement avec le Black Hole, donc, qui est le noir, pour faire ma forme externe. Donc, je vais faire comme ça. Je reviens un peu sur le racine. Un petit peu en racine interne. Donc ici, je relie aussi. Je vais faire pareil à l'extérieur de mon creux. Et j'en profite tout de suite pour faire une bascule externe. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, je crois. Donc là, je fais juste un trait droit. Alors, ensuite, je vais prendre un pinceau boule pas trop épais. Je pense que celui-là, ça ferait aller. Et je vais passer au. Je vais prendre le Martian du coup. Qui est juste ici. C'est un peu plus bleuté que vert, mais ça devrait aller avec. Et je vais mettre ça à l'intérieur de la forme ici. Je vais le faire au pinceau plat. J'essaie de garder une forme un peu oblique comme ça. Et du coup, je dégrade le noir dans cette teinte-là. Je fais pareil en racine, donc j'en mets jusqu'à la même là. Et je dégrade un petit peu ma barre ici.
Alors, je reprends un pinceau bleu. Si je trouve un petit. Et je vais prendre la teinte Alien. Je fais le reste de mon creux avec cette teinte-là. Donc on essaye de dégrader au maximum, mais ça se dégrade tout seul. C'est pas mal. Donc je continue mon ras de cils avec cette teinte-là aussi. Et mon dégradé ici. J'aime beaucoup. Pinceau plat, donc j'essuie celui que j'avais juste avant chez ma flemme, comme ça. Je prends le Morty. Donc il a l'air un peu anisé comme ça. Que je mets sur le reste de ma paupière interne. Un mobile. Ma paupière quoi. Et on dégrade bien ici. Je reprends un tout petit peu pour dégrader juste la pointe. J'essuie mon pinceau le plus fluffy que j'ai utilisé et je redonne un coup ici. Ok, ok, ok. Alors en coin interne, je vais mettre le cosmique juste ici. Oh. Oh. En plus, il y a des reflets verts, c'est merveilleux, c'est magnifique. Je vais en prendre également un peu pour mettre ici au-dessus. Donc je ne mets pas au niveau de l'arcade, mais juste le long de mon trait ici. Il est un peu friable, mais bon, c'est normal, il y a des micro-paillettes dedans. Alors, je vais prendre la teinte Aurora. Ici, je vais la prendre au doigt pour mettre au centre de la paupière, sur la jonction des deux teintes. Oh là 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 là. Alors, je vais quand même reprendre un petit peu du cosmique pour mettre ici finalement. Donc, pareil, j'essaye de faire une ouverture. Là, on va me voir jusque chez Buzz l'éclair. Et je garde le même pinceau et je prends des paillettes météorites. Donc il y a un agent liant à l'intérieur des paillettes. Elle se prélève bien au pinceau. Et je mets ça sur la partie où j'ai mis le vernis. Donc je ne le fais pas au doigt pour ne pas en avoir trop. Là c'est suffisant. Je veux juste qu'il y en ait quelques-unes. Et elles sont sublimes. Oh là 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 là. Oh là là que c'est beau. Bon, je vais en mettre un peu ici. Voilà pour les phares. Donc, j'ai plus de batterie. Petite fioriture et tout ça, tout ça, tout ça. Je vais vous remontrer ce que ça donne et on parle de la palette juste après. Voilà le look final avec cette palette. Donc je vais essayer d'aller vite parce que c'est pas de Noël sur l'appareil. Voilà, voilà. Alors sur les lèvres, j'ai mis mon contour essence qui est terminé. Le Stark, comme ça. Je vous remets le swatch and make-up de la palette de chez Révolution. J'ai mis le gloss Terra des Winx de chez NYX. J'adore. Mascara Sephora. Crayon Sephora. Le petit là. Et des swatches. Et le liquid ink comme liner. Voilà. Pour la palette, coup de cœur. Big coup de cœur. Waouh, les fards se travaillent super bien. Ils sont bien pigmentés. Ils sont pas poudreux dans le pan.
J'adore, les paillettes ne se sentent pas, elles s'appliquent bien, elles ne chutent pas, il y a du produit lion à l'intérieur. Les lumineux sont bien lumineux, les fards se superposent bien, ils s'estompent bien. Big, big, big coup de cœur. Déjà, de toute façon, rien qu'avec les swatchs des trois palettes, j'ai été transportée. Mais alors là, avec le make-up, j'en peux plus. J'ai envie de me faire pipi dessus, tellement je suis contente. Oh, j'ai hâte de la réutiliser, même si je ne vais pas avoir le temps tout de suite. Mais j'ai hâte, 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 hâte. Et là, ils vont en sortir une nouvelle demain, je crois. Demain, il y a le reveal. Donc, elle sera très vite chez moi, la nouvelle. Aussi, parce que je crois que je viens de tomber sur une marque qui me plaît d'enfer, aussi bien dans l'univers que dans la qualité. Voilà, un peu moins le prix, mais ça passe. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Je me dépêche, hein. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé cette marque, cette palette, si ça vous donne envie, et tout ça, tout ça, tout ça. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, et en attendant, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.